Elle fait partie des grands ouvrages entrepris par l'autorité de cette province du Lualaba, l'arrêt aux gares de Kolwezi. Le chantier évolue en harmonie avec la volonté déterminante du gouverneur intérimaire Fifi Masuka Saini grâce à la technicité de la régie des voies aériennes, et ce malgré les contraintes temporelles imposées par la crise sanitaire avec ses corollaires. Lors de sa dernière visite d'inspection du chantier à Kolwezi, le président du conseil d'administration de la RVIA, Bienvenue Lyota, avait émis des avis. Ils sont bel et bien pris en compte par le maître de l'ouvrage et l'entreprise qui exécute les travaux de construction de cet aérogare. Mais le processus exige tout de même une évaluation, d'où cette séance de travail à Kinshasa de mise au point au bureau du PCA de la RVIA. Le PCA était venu à Kolwezi pour voir l'évolution, faire pratiquement l'inventaire. Il avait émis des avis, il nous avait donné ses préoccupations. Donc nous sommes plus que satisfaits avec le PCA par rapport à l'évolution des travaux de l'aéroport de Kolwezi. Les constructeurs est rassurant quant au deadline et même la qualité de l'ouvrage. On va faire notre maximum pour finir le mois de mars 2022. Comme ça, on peut faire l'inauguration le mois-là. Des assurances qui rassurent la régie des voies aériennes, surtout son conseil d'administration. Il y avait beaucoup de questions que la RVA avait soulevées. Et l'autorité provinciale avait pensé que la meilleure façon de faire, c'était que nous puissions nous retrouver toutes les parties prenantes, la province du Lualaba, la RVA et l'entrepreneur. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et entendre les réponses que l'entrepreneur nous a données, ça nous a soulagés. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de croiser les bras et d'attendre que cela se termine. Il nous a donné toutes les garanties, toutes les informations nécessaires sur les matériels qui ont été commandés.